On en a acheté combien en fait au total? Je ne sais pas. Yo-ho, moussaillon, je vais vous raconter une aventure qui m'est arrivée depuis que je suis arrivée sur l'île des adoptions. C'est Bonnie qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, puisque moi je suis une pirate et je sais pas lire, mais elle a appris à lire. Et elle m'a indiqué un endroit où on pouvait avoir des pingouins en or. Et comme vous voyez, j'adore les trésors, j'adore tout ce qui brille, je suis très bling bling, même si j'en porte pas moi-même, c'est juste pour mettre dans mes coffres-forts sur les îles. Et donc, j'étais très 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 intriguée par ces animaux en or. Donc, je suis allée là où elle m'a indiqué d'aller. J'avoue que j'étais un peu surprise au début, puisque c'est quand même un endroit pas du tout habituel pour moi. J'ai bravé le froid pour réussir à obtenir cet animal en or. Alors, il faut bien avouer, j'aurais jamais eu l'idée d'entrer dans un tel édifice, encore moins en compagnie d'ombre, mais elle n'est pas là, elle est partie. Elle est partie distribuer les messages à mes anciens camarades pirates. J'espère qu'ils vont bientôt arriver parce que je me sens vraiment seule sur cette île avec juste des gens qui secouent les bras. Alors est-ce qu'il va y en avoir une encore ici ou un? Je ne sais pas. Mais bon, entrons. Je n'ai peur de rien de toute façon. Bonjour. D'accord, que veut-elle? Un cornet? Pourquoi pas? Merci madame qui dit bonjour à. Je sais pas, faudra aller voir après qui est en face. C'est peut-être le monsieur en short. Je me demande si ça fait un triangle ou si ça ferait pas une croix peut-être pour indiquer un trésor. Alors, voilà qui semble intéressant ici. Bonnie m'a dit d'aller de venir ici. Oh, regardez, l'animal en or. Je vais essayer de l'attraper. Non, chaque fois que j'essaie de l'attraper, je mange une boule de glace. C'est trop compliqué là. Bon, faut dire que Bonnie m'a dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais je la crois pas toujours. Vous savez, entre pirates, parfois on se raconte un peu des mensonges. Elle m'a parlé d'un grand poisson ici au fond. Donc ça doit être celui-ci. Que faut-il faire? Alors voyons voir comment ça se passe. Est-ce que je dois lui courir après? Et paf, lui envoyer dessus? Allez, ramasse ça. On va tout tenter, hein. On va tout tenter pour avoir ce pingouin. Attrape-le. Ce n'est pas le pingouin en or qui a été attiré, mais ceci dit, il est vraiment très mignon celui-ci aussi. Regardez, il se met sur le dos. Oh, pour m'adouer. Allez. Il a les pattes en or un peu quand même. On va refaire. Alors, on va essayer en se mettant ailleurs. Peut-être que si on lui court après puis qu'on s'éloigne vite. Voilà. Et hop, je m'éloigne. Pour lui donner envie. Voilà, il s'approche pas. Il s'approche un peu autant que les autres. Il a failli. Je sens qu'il a été tenté, n'est-ce pas? Peut-être qu'en se mettant dans un coin comme ça, loin. Va-t-il venir? Regardez, 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 il se presse, il se presse. Il se presse, il se dépêche. Il se dépêche tous. Oh. Heureusement, ils sont super mignons. Ok. Je ne me laisse pas abattre parce que je suis une pirate. Et les pirates, ça se laisse pas abattre. Voyons, on va peut-être essayer d'aller avec elle. On peut rentrer là? Salut. Salut la dame avec ton chapeau. Alors, surveillons le pingouin. Ah, regardez! Il n'y a que lui qui peut rentrer, je suis sûre. Il n'y a que lui qui peut rentrer. Non, il n'y en a même aucun qui peut rentrer. Qui l'a pris? Ah ben c'est celui-là. Mince! Ça n'a pas fonctionné. Bonjour monsieur, vous me vendez une glace? Vous vendez une glace? Vous me vendez un pingouin? Allez. Merci monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre? Ah ben voilà, trop tard. On pourrait essayer
de ne rien essayer, en fait. On va essayer de rien essayer. Parfois, c'est la meilleure méthode. Ah non, je sens qu'il s'en va, je sens qu'il s'en va. Toujours pas. C'est pas possible, ça. Est-ce que je peux aller... Est-ce qu'on peut sortir et jeter le truc, là? Voyons, on va essayer. On peut le jeter, peut-être. Ah, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, on a besoin d'être dans la ice cream shop. De toute façon, on a un message. Voyons, on va le jeter ici, dans l'entrée, sur les marches, qui sont peut-être pas propres, pas nettoyées. Je doute que le pingouin en or vienne sur des marches pas propres. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, damned. On va jamais y arriver. On va peut-être essayer de se glisser hors de ce... de cet endroit glacial. Alors, peut-être que si on se met sur le dos d'un de ces animaux, on a une chance d'obtenir un pingouin en or. Ça va peut-être l'attirer, ça. Voyons voir. Voyons si ça fonctionne. Regardez sa vue du ciel. Ce n'était pas une bonne technique. Et je pense que je vais chuter. Je vais chuter. Ah, ben voilà. Vous voyez? Alors, on va essayer avec un autre animal. Hein. On va se mettre ailleurs. Très bien, mes petits bandits. Alors, maintenant, on va essayer une technique un peu extrême. C'est-à-dire qu'on est sorti du truc, là, du marchand de glace, pour essayer d'avoir le pingouin. Alors, est-ce que depuis ici, on peut avoir un pingouin ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ce test? Alors, le poisson est là. Les pingouins se rassemblent, mais en dessous. Oh, regardez! Ils arrivent ici. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il est là, lui. Regardez comme ils sont trop mignons. J'avoue, je me laisse attendre. Regarde. Je rêve, il est tombé là. Ne bougez pas. Ne bougez pas, c'est là qu'il faut l'avoir. C'est ici. Alors, on va essayer. On va essayer en chuchotant la nuit. On endort les pingouins noirs. Et c'est celui-ci qui va y aller. Regardez, il se dandine, les autres dorment. Aïe, 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 ils arrivent tous. Ils arrivent tous. Mais ça n'a pas marché. Même en chuchotant, ça marche pas. C'est pas possible, ça. Peut-être que ce rat que j'ai trouvé sur mon bateau sera doré, pourra attirer un compatriote pingouin. Je ne sais pas. On va essayer ça aussi. Ah, il est rétréci entre-temps. Ah, c'est tombé là. On va avoir la surprise. On va se garder la surprise de ce qui va arriver. Le rat a rétréci entre-temps. Oh. Mystère. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Combien j'en ai acheté en tout? J'ai vraiment tout essayé. C'est juste pas possible. Donc là, ça ne marche pas. Même en venant ici, ça ne marche pas. Ah là là, que faut-il faire? Que faut-il faire? Là, je suis un peu sans solution. Là, j'avoue. Là, j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Ah, j'ai envoyé un golden fish ici, au bord du monde, hein, qui, je vous rappelle, est plat. Au bout du monde qui est plat. Et je n'ai toujours pas le pingouin doré. C'est dramatique. On va tenter un autre truc, si je clique sur le truc, c'est mieux. Ah, mais c'est pas ça que je voulais, non, reprends-le. Reprends-le, je voulais pas faire ça. Non, mais quand on est teuteux, hein. Oh, oh. Je vais quand même essayer autre chose, voir. Punaise. Mais c'était pas prévu. On va aller essayer autre chose. Je suis trop contente. J'ai réussi à en avoir un. Alors bon, foi de pirate, j'aurais quand même préféré l'avoir avant parce que je vais montrer en fait le nombre de tentatives que j'ai faites pour l'avoir. C'est une catastrophe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Au 15e pingouin. Bon, allez, on va dire que j'essaye encore une ou deux fois.
Je vais vous faire une petite surprise. Je le prends et puis je vais le mettre ailleurs. Ok, voyons si le Golden Penguin est intéressé par atterrir ici. Alors, je ne sais pas trop vers quel endroit me tourner. Peut-être juste là où je suis. Ah, ça a disparu. Ah non, regardez. Le Golden Fish flotte. Regardez où sont les pingouins. Ils sont sur l'eau, tout en groupe. Et j'ai eu un pingouin normal, je crois. C'est pas le Golden qui est venu. Voilà, hop, il va sauter vers moi. Regardez le groupe de pingouins. Allez, ça va être ma dernière tentative pour avoir un Golden Fish. On va faire la balançoire dans les nuages. Voyons si ça aide à avoir un Golden Fish ou pas. Ouh! Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a atterri, sans doute nulle part. Regardez, on a les pingouins là-bas. Sont-ils intéressés ou pas? Ah, ils sont là en bas. Ils tombent. Ils tombent ou ils sont je ne sais pas où. On a vu un pingouin tomber. Donc à mon avis, un pingouin noir. Donc à mon avis, c'est un pingouin normal. Voilà. Je vais vous laisser sur cette dernière image. Je suis quand même contente en tant que pirate de pouvoir faire, d'avoir eu un pingouin golden et puis tout plein de pingouins normaux. C'est-à-dire exactement 16 pour faire. Eh bien, pourquoi pas un méga néon? Allez, salut !